Hey, salut tout le monde, c'est Atomania et on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de Pokémon Soleil ou Lune, hein, c'est comme vous voulez. Enfin, si c'est plutôt Soleil. Bah, dans le dernier épisode, nous avons fait l'école des dresseurs, donc dans cet épisode, on va aller voir si Strama va à la plage. Et attendez, j'ai peut-être compris pourquoi j'avais pas l'épisode entièrement. C'est parce qu'en fait, Magic Video Deluxe, qui est mon logiciel de montage, bah, il a enlevé 2 minutes de la vidéo. Donc vers la fin de la vidéo, il manquait 2 minutes. Donc, du coup, je serais obligé de couper un peu avant. Pour les vidéos. Attendez. Ouais, voilà. En fait, je serais obligé de couper un petit peu avant. Sur de faire une vidéo en deux parties. Purée. Je suis encadré en plus. Ouais, j'aime bien. Non. Voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe? Hé, toi là-bas, à voir ta tête, tu ne m'as pas l'air d'être du coin. Viens, je vais t'apprendre un truc important. Elle va m'apprendre à dire Aloha. C'est ça? Attendez. Voilà, comme ça je serai un peu devant. Et ça devrait aller mieux. Vous devrez m'entendre un peu mieux. Il y a beaucoup de bâtiments à Eka Eka. Ils ont même un office de tourisme. Et... Allez hop, on y va. Ouais, je crois que j'ai dû couper au moins toutes les 15 ou 16 minutes avant. Et oui, à ta manière, j'ai reconnu le bruit de tes pas. Alors, Eka Eka, c'est trop bien, non? Alola, c'est vraiment extra. Oh! Suis-moi, j'ai une idée géniale. On va aller à l'office de tourisme. Dipnam, c'est vrai que vous donnez un cadeau aux gens qui ont un mantisme adex? Ma foi, oui, vous êtes très bien renseigné. Peu de personnes ont la chance de posséder un mantisme adex, mais nous avons effectivement une fonctionnalité supplémentaire disponible pour ces heureux utilisateurs, le Pokéscope. Trop bien. T'entends ça, Tomania? Un Pokéscope, c'est trop stylé. Mais ça sert à quoi un Pokéscope en fait? Le Pokéscope est un outil permettant de prendre les Pokémon en photo. Il ne fonctionne pas partout, mais Motisma saura vous indiquer les zones où vous pouvez l'utiliser. Tenez, je vais vous lire les instructions. Ah blablabla. Mais moi j'ai fini l'une, hein, madame. Non mais attends, le Motisma Dex contient un Motisma du coup. Il fait un peu partie de ton équipe, non? C'est vrai. Voilà, donc là il y a un Motisma qui me dit un peu, qu'est-ce que tu utilises le vas-y, allez, fais-le vite. Il est pressé que j'utilise le Pokéscope. De manière, Tilly, comment ça s'est passé à l'office du tourisme? Ça s'est super bien passé. Il nous a pris en photo, lol. Eh, c'est bientôt Noël, hein, quand même, dans un mois. Ouais, dans un mois, c'est Noël, quand même. Alors, je suis sûr qu'il y en aura qui vont prendre Pokémon Soleil ou Lune pour Noël. Mais... Est-ce qu'il y en... Ouais. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Si tu ne veux pas te servir de ton Pokéscope, laisse-moi donc éclairer ta lanterne. Je m'en fous. Tu vois, ce mur fissuré, blablabla. Ouais. Hop. Voilà. Vous avez activé le Pokéscope. Et là, en fait, on peut voir des Pokémon. Attendez, je vais désactiver la 3D, voilà. Oh, arrête, arrête. Voilà, oh, donc on peut faire ça avec le stick. Voilà. Et puis en fait avec ça, on va pouvoir prendre des photos. En fait, le Pokéscope sert à prendre des photos. Un peu comme Pokémon Snap. Ouais. Voilà. On le voit pas très bien. Ouais.
Ta photo a eu beaucoup de succès, oui. Voilà. Non, 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 je vais pas le capturer sur une carte SD. Ouais, c'est bon là. Et si tu visites. Si tu visitais à de la mode, c'est le centre de toutes les maudites tendances. Ouais, je sais, je n'ai même pas les dialogues. La boîte lentille. Est-ce qu'il nous reste assez d'argent pour s'acheter en moins des vêtements? Ouais, je pense, hein. Alors, passe dresseur. Ouais, 27 000, on peut s'acheter quelques vêtements. Alors, bienvenue. Alors, débardeur blanc, non, non. Non, pas un débardeur rouge, non. Alors, on va voir ce qu'il y a. Un polo noir. Hey! Débardeur surfeur. T-shirt rayé classique. Je vais prendre le polo noir. Bah je vais le prendre en rouge celui-là. Voilà. Ouais, en noir aussi. Voilà, je vais prendre ça. Et ça coûte cher. Voilà, je lance une petite sauvegarde. À bientôt. Je sauvegarde quand même. Voilà, voilà. 7 minutes 50. Attendez, je fais comment pour me changer? Je sais, bon, ça a bien pris en compte, mais alors si tu veux essayer des habits ou des lentilles de contact, utilise la cabine, c'est celle qui a un côté à miroir. Ouais, je vais changer de tenue polo pour ta cour. Voilà, voilà. Et ça fait quoi en fait si on change de lentille? Je me demande ça fait quoi. La photo, ouais. Alors, changer de lentille. Bleu. C'est peut-être la couleur des yeux, ouais. Ouais, voilà. Comme moi en fait dans la vraie vie, j'ai les yeux bleus, donc du coup on va le mettre, je l'ai mis avec des yeux bleus. Voilà. Hop. Ta-da-da-da-da. Ta-da. Bon, allez. Allez, allez, allez. La team squad se trouvera au port. Ah, attendez, si on peut capturer un petit Pokémon là. Ouais, ce serait bien de capturer un petit Pokémon. Hein.
Ah bon, je vous dis tout de suite, c'est non. Attendez. De toute façon, je suis téléport. Je peux très bien retourner à Ika dans les zones. Je suis dans les zones commerciales là. Attendez. Je regarde. Ouais, je suis dans la zone commerciale. Hein. C'est bon. Allez. Parce qu'il y a un Pokémon que je veux dans la zone commerciale. Mais c'est pour ça. Non, c'est pas lui. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas lui. Hop, fuite. Fuite. Oh. Bah, on lui confie en plus. Mais. Mais fuite. C'est pas compliqué, tu. Mais pourquoi t'arrives pas à fuir un Gwilize? Voilà! Attendez, je vais trouver ce Pokémon. Je vais trouver ce Pokémon. Vous inquiétez pas. Non, c'est pas mon bouton, vous inquiétez pas. Fuite. Voilà, il recommence, Ramolos. Voilà. Je suis bientôt à 15 minutes. De toute façon, après, je couperai l'enregistrement. Voilà, c'est celui que je cherche. Un mâle, s'il vous plaît. Un mâle. Une femelle. Pas grave. Rapid ball. Autant que j'ai des rapid ball. Un, deux, trois. C'est pas grave, c'est une femelle. Quand même, ça rapporte pas mal pour l'expérience. Hein. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire monter son bonheur. Voulez-vous? Non. Oui. On va l'appeler Spark. Ouais, Sparky. En référence à l'animé. Sparky. Hop, voilà. Oui, Sparky a été ajouté à votre équipe. Bon. Moi, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Allez, à plus. Voilà, re tout le monde. Cette fois, c'est bon. Donc, voilà. Donc. Alors, notre Sparky. Il a quoi comme attaque? Enfin, ça, on n'avait pas vu, il avait quoi? Ah, il a éclair, quand même. Pas mal. Bon, il a une hausse d'attaque et une baisse de défense spéciale. Ouais. Enfin, c'est pas top, hein. Enfin, quoique. Je sais pas. En plus, dans notre équipe, on a que des femelles. Et à ta manière, t'es venu t'en mettre plein la panse aussi? Non. Arrête de parler, s'il te plaît, arrête de parler. Arrête de parler. Arrête de parler. Je suis autant triqué par Team Skull que par les Malazda. Donc, elle se trouve au port, c'est pareil. Tada, tada. Hop. Tiens, ouais. Let's go. Allez. Ils sont un petit peu ridicules leur danse. Attendez, voilà. Non. Voilà. Non. Ah. Voilà. Allez, Susonaze, la Team Skull qui a travaillé le port. Ils sont que deux, hein, mais bon. C'est pas grave, ils sont que deux. Hein.
Nickel. Spire de la Team Skull veut se battre. Nosferati. Ah, moi j'ai un petit Pichu. C'est pas rien. Je crois qu'il... Ouais, en plus, il est plus rapide. Étonnement. Hop. Ah, puis en plus, vous voyez pas le nom du Pokémon. Voilà, c'est mieux, là. Voilà. Voilà. C'est fini, sérieux? Ouais, c'est fini, sérieux. Oh, ce cousin, ouais. On n'a pas besoin de Pokémon Altéo, super. Vous étiez fini ici pour rien. Ouais. Merci. Je dois dire que ton équipe, ouais. Mais c'est con, il y a que dire de l'histoire de voir si... Ouais, oui. Tu vas pouvoir admirer mes sublimes Pokémon. Quel vénard tu es. Eh ouais, je suis un vénard. Il veut se battre, le petit. Bon glouton. Il est niveau combien sur mon glouton? Sparky, go. 9. Éclair. Yes. Ah oui. Il a fait un coup critique. Hop, Rameautan, go. J'ai pas de rappel. Tant pis. Hop, Pistolero. Ah, utilise un total sur un. Allez, comme ça, le petit. Allez, hop. On n'a pas le temps, là. On n'a pas le temps pour ça. Hop. Allez, hop. Un petit charge. Un petit charge, c'est bon. Mais non, pas de potion, s'il te plaît. La pistolet à eau. Ta 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 ta. Pistolet à eau. Poursuite. Ça va, il y a pas... Ouais, il a fait un petit peu mal, quand même. Hein. Hop, pistolet à eau. Ouais, il a fait assez mal, là. Enfin, moi, je propose une petite potion. Poursuite. Je suis obligé de tuer. Voilà. Je suis obligé de tuer un de mes Pokémon quand même. Allez, Edwige, c'est à toi. Feuillage. Il est plus rapide, ça c'est bien. Voilà. Que l'Orior. Hop, feuillage. Flamèche.
Allez. Non. Purée, je suis mal. Pourquoi c'est pas moi qui attaque en premier? Mais bon. Ouais bon, on va se quitter là, tant pis. Hein. Sur cette défaite complètement inutile, bah moi je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. À mon compte Twitter également, laissez un petit like ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez, salut tout le monde!